Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre tirage de la journée et de mes prédictions de voyance nationale pour ce mercredi 10 octobre 2018. Comme dit lundi dans mes prédictions nationales, le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe tarde à faire connaître le nom ou les noms des nouveaux ministres qui apparaîtront dans les jours à venir lors de ce fameux remaniement ministériel qui fait suite à la démission de Gérard Collomb. Heureusement pour nous, notre tirage de voyance de cette journée nous dévoile la carte divinatoire d'Algariel numéro 16, l'espoir, qui est non seulement une carte positive, mais également une carte chargée d'espoir et une carte de déblocage. Dans mes prédictions de voyance nationale de cette journée du mercredi 10 octobre 2018, cette carte divinatoire numéro 16 semblerait m'indiquer qu'il y aura pour le gouvernement et plus précisément, pour les membres du parti politique La République En Marche, comme avant d'espoir face aux différents noms qui seront annoncés dans le cadre du remaniement ministériel qui devrait arriver dans les jours à venir. Cette carte numéro 16, l'espoir, semblerait indiquer que l'ex-ministre démissionnaire Gérard Collomb serait remplacé par un duo qui tentera de réconforter les différents courants politiques grâce à leur appartenance politique d'origine. Hélas pour le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, comme déjà dit dans mes prédictions de voyance nationale du mardi 9 octobre 2018, il semblerait qu'il y aura dès l'annonce des différents noms des futurs ministres de nombreux grincements de dents venant de la gauche et plusieurs coquilles qui seront mis en avant par la droite. Comme d'habitude, la guerre commencera entre les différents courants politiques. En deux mots, le feuilleton gouvernemental offert aux Français par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe durera encore quelques jours, peut-être mieux pour mieux nous faire oublier l'augmentation de la taxe d'habitation qui arrivera dans nos boîtes aux lettres dans les jours à venir, alors qu'elle aurait dû être supprimée pour de nombreux Français. Allez, passons maintenant à notre tirage de voyance de la journée. Cette carte divinatoire numéro 16, l'espoir, nous annonce une journée dans l'ensemble plutôt douce et agréable. Dans le domaine de l'amour, cette carte divinatoire numéro 16 nous indique une journée sous le signe de l'amour, de la douceur et du romantisme. Si nous avons besoin de mettre à plat certaines petites choses négatives présentes entre nous et notre partenaire amoureux, cette journée sera idéale pour ouvrir la discussion. Côté sexuel, cette carte divinatoire annonce des moments très doux et très chargés en émotions. Si votre couple rencontre actuellement quelques difficultés, cette carte divinatoire nous annonce une amélioration dans nos échanges. Côté professionnel, cette carte divinatoire d'Algariel nous rassure face aux collaborations à venir ou sur la signature prochaine d'un contrat. Au niveau ambiance générale, cette carte divinatoire numéro 16 nous apporte réconfort et apaisement, ce qui nous annonce une journée plutôt agréable. En conclusion, cette carte divinatoire d'Algariel numéro 16, l'espoir, est une carte dans l'ensemble positive, nous annonçant des moments de douceur, de paix, de joie et d'amour, que cela soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier ou encore dans le domaine familial. Voilà pour notre tirage de la journée et pour toutes nos prédictions de voyance nationale de ce mercredi 10 octobre 2018. N'oubliez pas, si vous souhaitez me consulter personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors de cette consultation de voyance par téléphone. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consultez toute mon équipe de voyance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur l'un des numéros qui s'affiche actuellement à l'écran de cette vidéo.
Je vous remercie encore de suivre chaque jour mon tirage et mes prédictions de voyance nationale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à dire si vous aimez, si vous êtes d'accord ou non. Et puis pour ceux qui souhaitent s'abonner à la newsletter, rendez-vous immédiatement sur mon blog www.cabinet-oracle.com, il s'affiche actuellement à l'écran. Vous avez sur la droite de la page la possibilité de vous abonner gratuitement à la newsletter pour recevoir chaque matin toutes mes prédictions de voyance nationale et mon tirage de la journée à venir totalement gratuitement sur votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends pour une consultation de voyance par téléphone. Belle journée à vous tous.